Mon cher Jimmy, je t'écris de ma maison de retraite, où je suis enfermé depuis maintenant belle lurette. Je ne sais pas pourquoi je suis dans cet endroit. Je n'ai pas choisi de venir croupir ici. Le personnel, dit-on, ce ne serait pas des matons. Moi ça, je n'y crois pas, j'appelle un chat un chat. Ici tout est si vieux, les murs, les gens, le lieu. Il n'y a pas si longtemps, ça s'appelait les cèdres bleus. Mais les cèdres, ils ont trouvé que ça sentait trop le sapin. Alors ils ont décidé de rebaptiser le coin. Ils ont lancé un concours pour trouver un autre nom. C'est un passionné de géo qui a décroché le pompon. C'est un nom bien joli que ça porte ici maintenant. Ça s'appelle la dérive des incontinents. Il paraît que c'est pour notre bien qu'on est retenu là-dedans. Je suis pas sûr que ce soit bien moi d'être enterré vivant. Y a mon voisin de chambre qui a tenté de s'évader. Ils l'ont repris et il l'attache sur son lit. Et à cette dame aux cheveux bleus dont je suis amoureux, je n'ai pas le droit, ils ont dit, de partager ses nuits. Ils craignent probablement que l'on fasse un enfant. Un adorable petit vieux qui encombrerait le lieu. Je n'aime pas cette infirmière qui veut me talquer le derrière. Elle a le même QI, je crois bien, que son bistouri. Elle vient de me demander à qui donc j'écrivais. J'ai répondu Jimmy, qui vit dans le Tennessee. Jimmy, c'est mon petit-fils qui habite à Memphis, que j'ai pas vu depuis longtemps, ni lui, ni sa maman. Mais mon pauvre monsieur Jean, que cette gourde m'a répondu, vous n'avez jamais eu d'enfant, ici c'est bien connu. On n'a pas le droit de rêver, s'évader en secret. Faut que tu viennes m'exfiltrer, comme on dit dans les policiers. Mon Jimmy, je t'attends dans ma maison de retraite, où je suis prisonnier depuis belle lurette. Mon Jimmy, je t'attends dans ma maison de retraite. Je t'attends.